Désormais, tu es presque un plongeur accompli. Il est donc temps d'approfondir les techniques à appliquer en cas d'accident de parcours. Cette fois-ci, après être complètement équipé, vérifie l'équipement de ton binôme. En plus, grâce à ce contrôle, tu vas forcément voir quel genre d'équipement il utilise. Information précieuse en cas d'urgence, bien entendu, ce contrôle doit être réciproque. Au cas où il n'y aurait plus d'air dans ta bouteille, tu pourrais être obligé de gonfler ton stab à la bouche. Exerce-toi en simulant cet événement en utilisant ton stab et celui de ton binôme. Le plongeur peut facilement attraper des crampes aux jambes. La meilleure façon d'y remédier est d'appliquer l'exercice du troisième chapitre avec une différence, cependant, cette fois-ci, tu es sous l'eau, exerce-toi avec ton binôme. Tu n'es pas forcément immunisé contre une nouvelle crampe aux jambes si tu ne varies pas de style de nage. Essaie d'adopter le style de la brasse sous l'eau. Maintenant, avec ton binôme, répète l'exercice de respiration à deux, mais cette fois-ci en échangeant les rôles et en nageant vers la surface. Suivez la règle des signaux conventionnels et faites attention à bien vous tenir. Celui qui donne l'air indique la quantité restant dans la bouteille. Et si l'autre plongeur est trop loin, comment faire si tu n'as plus d'air? Tu peux toujours remonter directement à la surface, cela sera une remontée contrôlée d'urgence en nageant. Tout en remontant, garde le détendeur dans la bouche, mais laisse sortir un filet d'air. De cette façon, tu es certain de ne pas retenir ton souffle. Remonte en contrôlant ta vitesse grâce à ton stab. Répète l'exercice de respiration à deux, mais cette fois-ci tout en remontant à la surface. Cet exercice est semblable au précédent, à la différence que vous le continuez à deux jusqu'à refaire surface tout en contrôlant votre vitesse de remontée. Attention à ne pas vous lâcher. À la fin de cette leçon, sors de l'eau selon les indications de ton moniteur. Enfin, démonte et rince ton équipement.